La mort soudaine du célèbre acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain George Clooney a laissé une blessure douloureuse et une perte inoubliable dans l'industrie cinématographique et dans le cœur de millions de fans à travers le monde. George Clooney, icône du cinéma et l'un des visages les plus marquants du divertissement, a quitté ce monde soudainement et malheureusement à la suite d'un grave accident de voiture. George Clooney, né le 6 mai 1961 à Lexington, Kentucky, a connu une carrière diversifiée et brillante dans le divertissement. Il est célèbre pour son excellent jeu d'acteur dans de nombreux films et sa créativité exceptionnelle dans la réalisation, l'écriture et la production. Son nom est une icône de l'industrie cinématographique et une source d'inspiration pour de nombreuses générations d'acteurs et de cinéastes. George Clooney a laissé une marque mémorable avec des rôles dans des films tels que Ocean's Eleven, Syriana, The Descendant et Gravity. Sa diversité dans le choix des projets de films a fait de lui l'un des meilleurs acteurs des Hollywood. Il a notamment remporté de nombreux prix prestigieux tout au long de sa carrière, notamment l'Oscar et le Golden Globe Award. Cependant, non seulement acteur, George Clooney est également connu pour sa passion pour la réalisation et la production. Il a réalisé de nombreux excellents films, tels que « Bonne nuit et bonne chance », « Les Ides de Mars » et « Suburbicon ». Sa créativité a enrichi l'industrie cinématographique et a apporté de nombreuses œuvres uniques et significatives. Même si la carrière de George Clooney est toujours brillante, la vie n'est pas toujours fluide. Par une belle journée ensoleillée, en voyage d'affaires, il conduisait sur une route lointaine. La malheureuse chose s'est produite lorsqu'un camion circulant dans la direction opposée est entré en collision violente avec la voiture de George Clooney. Le terrible accident a transformé sa voiture en un tas complètement déformé et l'a mis dans un état critique. Des équipes de secours et d'ambulances sont arrivées immédiatement sur les lieux, mais les victimes étaient devenues irréversibles. George Clooney est décédé sur le coup, laissant derrière lui un moment déchirant et une perte inoubliable. Son décès a laissé l'industrie du divertissement et du cinéma du monde entier dans le deuil et l'émotion. George Clooney n'est pas seulement une étoile brillante dans le ciel hollywoodien, mais aussi une personne talentueuse, intellectuelle et gentille. Il a toujours apprécié la vie et a fait preuve d'un esprit de solidarité et de compassion à travers de nombreuses activités caritatives et sociales. Son décès soudain a laissé un vide qui ne peut être comblé, mais son amour et son souvenir vivront à jamais dans nos cœurs. George Clooney, icône de l'art cinématographique et de l'humanité, restera gravé dans les mémoires et honoré à jamais. La vie et la carrière du célèbre acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain George Clooney sont une histoire de talents divers, d'engagements artistiques et de philanthropie. Il est devenu l'un des grands noms de l'industrie mondiale du cinéma et du divertissement. George Clooney n'est pas seulement une étoile brillante dans le ciel hollywoodien, mais aussi une personne gentille et dévouée aux activités caritatives et sociales. Il a toujours utilisé son nom et son talent pour soutenir des importantes questions sociales, de l'éducation aux droits de l'homme et à la paix dans le monde. En 2008, George Clooney a été classé par le magazine Time comme la 23e personne la plus importante au monde. Son influence ne s'exerce pas seulement dans l'industrie cinématographique mais aussi dans la société et la politique. Il est toujours sage et ouvert lorsqu'il s'agit de discuter de questions importantes et toujours prêt à contribuer à la communauté et au monde. La vie et la carrière de George Clooney sont un exemple de diversité et de talent dans le domaine des arts, ainsi que de l'importance d'utiliser son talent et son influence pour rendre le monde meilleur. Il a laissé un grand héritage dans l'art du cinéma et dans le cœur de ceux qui l'aimaient et l'admiraient. George Clooney, une icône de l'art et de l'humanité, L'actuelle Madame Clooney ne voulait pas entamer une relation avec le célèbre le plus convoité d'Hollywood. Et son père a donné à sa fille 10 raisons de ne pas le faire. Beaucoup de femmes ont eu le béguin pour George, mais Amal Alamoudine, avocate de renommée mondiale, n'en faisait pas partie. Elle avait ses propres raisons de ne pas vouloir s'engager dans une relation avec George Clooney, qui a eu un mariage éphémère de 3 ans avec Talia Balsam, et c'était il y a plus de 20 ans. Lorsqu'ils ont divorcé en 1994, George a déclaré qu'il n'aurait jamais dû se marier et qu'il avait traité Talia de manière injuste. Un an plus tard, dans une célèbre interview avec Barbara Walters, l'acteur a déclaré « Non, je ne vais pas marier. » Pendant de nombreuses années et dans d'autres interviews, il a répété qu'il n'était pas intéressé par le mariage ou les enfants. Clooney a même parié 100 000 $ avec Michelle Pfeiffer qu'il ne serait certainement pas marié à l'âge de 40 ans. Il est difficile de citer une actrice hollywoodienne qui ne figure pas sur la liste des ex-petites amies de Clooney. Beaucoup d'entre elles ont peut-être souhaité une relation plus sérieuse avec Clooney, mais aucune n'a réussi.
Tout le monde avait déjà accepté son statut de célibataire quand elle est apparue. Amal a franchi le seuil de la maison de Georges au lac de Côme comme une invitée qui avait besoin d'un endroit où passer la nuit. Avant même son arrivée, l'agent de Clooney a déclaré que le célèbre célibataire allait l'épouser. Bien sûr, Clooney ne l'a pas cru. Mais une soirée en compagnie de cette femme intelligente, belle et charmante fait que Georges pense constamment à elle. Il lui a écrit des lettres pendant plusieurs mois, essayant de la convaincre de sortir avec lui. Mais Amal était hésitante, elle n'était pas sûre de vouloir une relation. Surtout avec Georges Clooney. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Amal avait perdu tout espoir de trouver le grand amour. I met George when I was 35 and starting to become quite resigned to the idea that I was going to be a spinster. L'avocate à succès pensait qu'elle allait devenir une vieille fille. Néanmoins, Georges Clooney a continué à envoyer des courriels à la femme de ses rêves. Il a passé des mois à la persuader de sortir avec lui. Mais il ne voulait pas l'effrayer, d'autant plus qu'il y avait une grande différence d'âge. Well, I liked her, but I didn't want to jump the shark on it. I couldn't tell if she liked me because, you know, I'm 17 years older than her, so she might have thought I was, you know, grandpa. Qui écrit encore des lettres à l'heure de la messagerie instantanée? Qui aurait cru que Georges Clooney était si romantique? C'est peut-être ce qui a fini par convaincre Amal et lui a fait accepter de sortir avec une célébrité. Mais ce n'est pas parce qu'Amal a dit oui que sa famille était ravie. Le père d'Amal était très sceptique quant à son nouveau petit ami. George a dû déployer beaucoup d'efforts pour le convaincre que ses attentions étaient sérieuses. Gets a letter from her father going, I'm going to give you 10 reasons why this is a terrible idea to date this guy. Which were our wedding vows, basically. Considérant que le père d'Amal est un professeur d'université, il est compréhensible que ses raisons soient basées sur la logique. Mais ni les mots du père d'Amal, ni les scandales inventés par les journalistes n'ont pu empêcher ces deux-là d'être ensemble. Les journalistes ont essayé d'inventer une histoire selon laquelle la mère d'Amal était opposée à ce que sa fille épouse George en raison de leurs différences religieuses. Mais ce n'est pas du tout le cas. George Clooney a dénoncé l'auteur de cet article et le journaliste malchanceux a dû s'excuser. Mais même lorsque les parents d'Amal se sont ralliés à l'idée de son mariage avec Clooney, elle n'était pas sûre d'elle. We didn't talk about it, you know. It wasn't like, oh, maybe we should get married or anything. Amal a été choquée par la proposition de George et ne lui a pas donné de réponse pendant près de 30 minutes. And she's like, it's a ring. Nous savons déjà qu'elle a accepté la demande en mariage de l'acteur, mais il semblait qu'il n'y avait pas de réponse pendant un certain temps. Amal savait que se marier avec une si grande star impliquerait beaucoup de paparazzi, de scandales et de ragots dans sa vie. Une simple sortie au magasin se transforme en une journée de travail pour les paparazzi. Amal doit réfléchir à tout cela, mais elle a pris sa décision. I would never want to be with anyone else. Être avec Amal a complètement changé George Clooney. Non seulement il l'a supplié de l'épouser, mais il a aussi admis qu'il voulait des enfants. Et c'est le type qui, à chaque occasion, disait que les enfants n'étaient pas pour lui. Avec un emploi du temps aussi chargé, il était difficile d'imaginer George en tant qu'un bon père qui passerait beaucoup de temps avec ses enfants. Cependant, lorsque ses jumeaux sont nés en 2017, George a tout fait pour être présent pour eux. Il avait l'habitude de tourner dans un ou deux grands projets par an et de partir en tournage pendant longtemps. Mais lorsqu'Amal est tombée enceinte en 2016, George a pris du recul et n'a plus joué dans aucun projet avant 2020. Il a définitivement mis en avant le fait d'être un bon père. And seeing you with our children, Ella and Alexander, is the greatest joy in my life. Bien qu'ils soient ensemble depuis tant d'années maintenant, le couple a toujours pour règle de ne pas se séparer pendant plus d'une semaine, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas être séparés l'un de l'autre. Oui, la vie de George Clooney a radicalement changé. Il est devenu un père de famille, apparaît rarement en public et bien sûr, il est devenu l'homme d'une seule femme. Mais l'avez-vous déjà vu plus heureux que sur les photos avec sa belle et intelligente épouse Amal? And then I met them all and realized that my life had been pretty empty. And then when you throw these two kids in there, then suddenly you realize how incredibly empty it was. La famille est la principale source du bonheur humain.